bien bonjour à toutes et à tous. Bon, on va enlever ça. Alors, épilepsie. Ok, bon, ça va. Enfin, pour ceux qui vont voir la rediffusion. Parce que j'ai remarqué que les gens regardent plus mes vidéos en rediff plutôt que quand je suis là. Donc là aujourd'hui nous avons enfin un jeu Harry Potter sur le Quidditch. C'est quand même dommage d'avoir un jeu en dehors de Hogwarts Legacy. Comme tous les jeunes sorciers et sorcières, on rêve de s'envoler dans les airs comme nos héros favoris. En regardant du Quidditch, on s'est tous demandé : est-ce que j'ai ce qu'il faut pour devenir la prochaine star du Quidditch ? Pour battre mes adversaires les plus coriaces ? Pour garder mon sang-froid au moment crucial. Pour poursuivre mes rêves à tout prix. Pour attraper la gloire pour mon équipe. Parce qu'un jour, ce rêve pourrait devenir réalité. Ça ne sera pas toujours facile. Mais si tu continues à remonter sur ton balai, et que tu crois en ton équipe, le Quidditch, c'est magique. Alors repose-toi la question. Es-tu à la hauteur? As-tu l'âme d'une star du Quidditch? Est-ce qu'on va pouvoir créer un personnage ou est-ce qu'on va prendre un personnage de base? On va voir, hein. Par contre, Malfoy, il a pris... Ah, bah voilà, on peut prendre un personnage... C'est bon, ça. Voilà, qu'est-ce qu'on va prendre? Déjà, qui est-ce qu'on va faire? Moi, je pense recruter votre premier poursuiveur, ok. Ah, mais du coup... Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, là, j'ai personne. On va faire comme ça, c'est bien. Hop. Bon. Pour un début, Cal, je pense pas. On va faire un break au début. J'ai juste potion de gloire en bouteille, mais quoi, ok. Que c'est plus comme ça, ouais. Non, pas... Non plus, cheveux mi-long. Ouais, bah comme ça, hein. Bah, pas de lunettes. Je peux pas choisir la couleur des cheveux. Couleur des yeux, bah j'ai noir, non. Non, bref, il a les yeux verts.
couleur de... Voilà. Et il a les cheveux blancs, Rick. Voilà, comme ça. Voilà, bon, on dirait un peu Malfoy, hein, mais... Couleur des sourcils. Pronom pour les dialogues. Elle, Yel, lui, non, ils ont mis Yel. Non, mais sérieux. Alors, je sais bien que... Non, je vais me taire. t-shirt, tu peux imposer pour de la femme de Quidditch. T'as pour faire des blocages d'inscription, votre compte, c'est un club de Harry Potter, champion de Quidditch. D'accord, ok. Pour le bug. Le parcours de tout champion de Quidditch commence quelque part. Et pour beaucoup, c'est dans un jardin. On s'imagine que le jardin est un immense terrain de Quidditch non, et que le vent porte les cris de la foule. Tu te vois un peu jouer parmi tous ces grands noms. Privé Drive, oh putain de con. Ah bah ouais, le fan d'Harry Potter là. Terrier des Weasley, bah voilà, c'est là il est bon. Coupe du jardin du terrier des. Ouais. Commencez votre carrière de Quidditch en travaillant de base des volets. Ok. Bienvenue sur le terrain de Quidditch de notre jardin. Avant de t'envoler, assure-toi d'être confortable sur ton balai. Assieds-toi et tiens bien le manche. Mm-hmm. On dirait... la voix, on dirait... quelqu'un qui fait des pubs. Genre, on peut reculer. Si tu penses en haut, ton balai devrait faire ce que tu veux. Si ce n'est pas naturel pour toi, fais quelques ajustements. Ok. Entraînez-vous au volant. Vous pouvez appuyer sur 1 pour inverser le vol. Oh là là. Ah, ce sont des manèges tactiles, ok. Il y a de nombreuses menaces sur le terrain de Quidditch. Il faut savoir voler pour esquiver tous les dangers. Tu pourras repousser les limites de ton balai pour gagner en vitesse. Mais ça ne sera pas long. Il faudra ralentir pour pouvoir recommencer. Je crois qu'on va pouvoir passer à des exercices plus avancés. Les dérapages permettent de voler dans une direction en regardant dans une autre. Pas mal ? On dirait que tu commences à saisir. En tout cas, tu te débrouilles mieux que Neville pour son premier vol, à ce qu'on m'a dit. Je te propose un petit défi pour voir ce dont tu es capable. C'est pas comme ça qu'il faut aller. C'est comme ça, non? Tu peux attendre si tu ne te sens pas encore à l'aise. Parfait. Chaque équipe possède 3 poursuiveurs. Ils sont le cœur de l'équipe de Quidditch, si je puis dire. La balle s'appelle un swaffle, et les poursuiveurs doivent, le poursuivre. Quand l'autre équipe a le swaffle, nos poursuiveurs doivent le récupérer à tout prix. Ils doivent l'amener au but adverse. Et travailler ensemble. Lancer le swaffle à travers l'un des anneaux adverses confère des points à l'équipe et la rapproche de la victoire. Le Quidditch se joue vite et tu devras rapidement changer de stratégie. Parfois, changer de point de vue peut suffire. Tout un sport d'équipe. Si tu es dans une position favorable, fais le savoir à tes équipiers pour qu'ils te fassent une passe. Maintenant que tu as le swaffle, n'oublie pas le reste de ton équipe. Le talent individuel ne suffit pas. Les meilleurs poursuiveurs savent quand faire la passe à leurs coéquipiers.
Oh non, vrai que... Non. L'objectif des poursuiveurs est avant tout de rapporter des points à leur équipe pour se rapprocher de la victoire. Tu marqueras des points en envoyant le soif dans les anneaux de but rouge. Ne perds jamais le soif des yeux. Si c'est le poursuiveur adverse qui l'a, tu peux toujours le récupérer avec un tacle rapide. C'est pourquoi il fait ça? Je vais demander. Impressionnant! Tu nous as montré que tu pouvais marquer dans un but vide. Mais ce ne sera pas le cas en match. Voyons si tu peux éviter un gardien. À peu près tout pour les poursuiveurs. Tu veux faire un match d'échauffement? J'espérais que... Allez, let's go. Pas de temps à perdre. Ah, recruter un poursuiveur sur... Oh, bah... Bon, on va faire break. Non, on va faire recal. Allez. Les cales, avant il y avait les cheveux longs. Miguel, non mais... Bah je sais, c'est bien. Nous sommes les jumeaux Weasley, vos farceurs préférés, les joueurs de Quidditch préférés. Les joueurs prennent position sur le terrain. Let's go. Soif les lâcher. Énervé. Les yeux sur son acolyte, c'est le moment de faire une passe. C'est sa chance. Et c'est but! Hermione Weasley? Mais... Merde, je suis con, moi. Vraiment... Je peux pas verrouiller un perso, là? Une belle passe. Mais c'est une interception. Le soif le file droit vers ce poursuiveur est déchaîné.
Allez, calme, c'est fou, calme. Je galère un peu, hein. Ça. Le vide d'or est libéré. Le soif l'est passé. Allez, let's go. Voilà nous. Le soif dépasse l'adversaire et file tout droit dans l'anneau. Et voilà. Le spectacle est terminé. Ici Ginny Weasley. Je rends l'antenne. Tu as un vrai don. Je ne pensais pas qu'on gagnerait le premier match. Mais c'est bien mérité. Tu veux qu'on leur propose une revanche? Ou... Allez. Oh, et je pense que mon frère Ron est la meilleure personne pour te présenter ce rôle. Alors, un gardien... Une fille. Oh, les pieds. On va laisser comme ça. Hein. Le Quidditch. Sans gardien de but, ce serait vraiment n'importe quoi. Une bonne défense peut faire toute la différence pendant un match. Le gardien de ton équipe a un rôle très important. Empêcher le soifle de passer à travers l'un des anneaux. Pour être un bon gardien, il faut un esprit tactique pour prédire où le soifle va aller et l'agilité nécessaire pour l'arrêter. De son poste d'observation, un bon gardien motive et guide ses poursuiveurs. C'est une grosse responsabilité. Mais on se sent trop bien quand on a arrêté un but. Les poursuiveurs peuvent être efficaces en défense, mais il faut un gardien pour protéger les buts. Les gardiens bougent différemment des autres joueurs. Ils ressemblent plus à des colibris qu'à des hippogriffes. Vas-y, essaie. Un gardien doit absolument maîtriser la plongée. Elle permet de se déplacer rapidement et avec précision entre les anneaux de but. En tant que gardien, il est primordial de savoir où se trouve le soifle à chaque instant. N'oublie pas de te concentrer sur lui quand c'est nécessaire. Le travail d'un gardien peut paraître simple. Empêcher l'autre équipe de marquer des buts. En pratique, c'est plus compliqué. Les poursuiveurs tenteront de te duper. Alors suis-les bien du regard et anticipe leurs mouvements. Ton équipe compte sur ta vigilance. Hé ! C'est pas le moment de t'endormir. T'as une équipe qui compte sur toi. D'ici, t'as une vue imprenable sur ce qui se passe sur le terrain. Alors montre-nous ton talent et guide ton équipe. Maintenant, voyons l'effet que ça a sur tes poursuiveurs.
Ce gardien doit absolument maîtriser le coup de pied. Tu peux l'utiliser pour dévier les soifs et les cognards. Ou tu peux même donner un bon coup de pied aux autres joueurs pour les obliger à s'éloigner. Essaye un peu. Empêche le prochain but de passer en le déviant d'un grand coup de pied. Génial, avec les gardiens. Bon, le tuto, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Hein. Nous sommes les jumeaux Weasley, ravis de montrer nos mouvements. Préparez-vous pour une nouvelle et passionnante partie de Quidditch. C'est le Molly. M'en fais lâcher. J'ai toujours du mal à choper le top. Hein. Et le tir est par un tir incroyable. Ok. C'est un peu solo, hein, Cal. Et ça, je dis rien. Hein. Ce tir pourrait permettre d'égaliser. La gardienne bloque le but sans effort. Notre équipe devrait surveiller ses armes. Le tir part et c'est but. C'est un même grand joueur. Et file tout droit dans l'anneau. L'équipe invitée s'en empare. Voilà une belle occasion. Le soif l'est rentré. Fin du match! Juste au bon moment. Je crois que les gnomes sont de retour. C'était Fred et George. On vous force pas à rentrer chez vous, mais vous pouvez pas rester ici. C'était un super match. Bon, on passe à la prochaine leçon? Ou est-ce que tu veux une revanche? Super, je sais. Bah, c'est bon, hein. Au bout d'un moment, je veux des vrais matchs, moi. Ça dure longtemps ce truc-là. Ça veut dire combien de temps? Un batteur. Ah, oh, j'aurais dû mettre. Oh, bah ça va être Hector. Hector! Ah, les batteurs. On les adore ou on les déteste, selon le côté du cognard où on se trouve. Que sont les cognards? Ce sont des boules de fer rapides, agressives et ensorcelées pour faire tomber les joueurs de leur balai. Le bou... C'est bon, quoi. Mais quelqu'un qui joue à Harry Potter, il sait ce que c'est qu'un cognard. Qu'un cognard. Les
Les poursuiveurs ne sont pas équipés pour gérer les cognards. Pour ça, il te faut la... Ces cognards sont de vraies petites saletés. Ils peuvent te causer des problèmes si tu te méfies pas. De nombreux batteurs se blessent au début de leur carrière. Alors vas-y doucement au début. Le glisser n'est pas qu'un truc de poursuiveur. Les batteurs peuvent faire de même, souvent avec un effet dévastateur. Le Quidditch est un jeu incroyablement physique. Chaque coup te fera perdre l'équilibre. Prends trop de coups et tu tomberas de ton balai. Dans les situations les plus désespérées, tu peux toujours faire comme si tu étais le cognard et percuter tes adversaires. En général, c'est efficace. Ce qu'on a appris à l'entraînement. Envoie un cognard bien placé à cette personne. Ne t'en fais pas, elle s'est portée volontaire. Enfin, volontaire désigné d'office. Mais tout ira bien. Bon, on va l'éjecter de son balai. Comme la dernière fois, envoie un cognard dans sa direction sans lui laisser le temps de s'en remettre. Essaie quand même de ne pas lui faire trop mal. Ou alors juste un petit peu. Super boulot. Fred et George seraient fiers de toi. Maintenant, utilise tout ce que tu as appris pour progresser. Fais tomber tous les joueurs de leur balai. Les cognards, parce que normalement c'est les cognards qui... Boum. Maintenant que tu sais ce que doit faire un batteur, tu es prête à les voir en action ? Alors ouais, jouons. Carrément. Je suis Ginny Weasley, co-commentatrice de ce match. Il aligne le tir. Non, genre. C'est ce qui s'appelle garder les buts. Le soif est passé. Une équipe qui fait tourner le soir. Ça rentre. Bah là, c'est mal en point. Personne ne peut voler le soif à cette équipe. Oui, continue à faire avancer la balle.
Mais l'équipe invitée l'intercepte. Quelle belle passe! Et le tir est parti! Elle bloque le tir! C'est une passe. C'est une passe à un coéquipier. Le tir est aligné. Bel arrêt. Qui attrapera le but? Ça cafouille un peu. C'est sa chance d'égaliser. Bel arrêt. Il n'y a plus personne dans le truc. On a gagné, non? Ce but va-t-il perdre? Le soif dépasse l'adversaire et file tout droit dans l'anneau. Le soif est lâché. Il saisit. Nous avons un joueur à terre. Le poursuiveur tire et marque. Non. C'est un véritable bain de sang. Et il marque! Bien joué, Cal. Ce match, tout comme le rêve de notre mère de nous voir travailler au ministère, est terminé! Quel match! Tu veux refaire un match avant d'introduire le vif d'or? Ça veut dire je suis une... Voilà. Père. Normalement, c'est... Tout le monde connaît l'attrapeur. Son travail... Oui, tout le monde connaît l'attrapeur, donc ça sert à rien. Les attrapeurs sont entièrement concentrés sur le vif d'or. L'insaisissable sphère dorée. Il est difficile à trouver et encore plus difficile à attraper. Mais il donne un max. Normalement, on devrait d'abord chercher le vif d'or, mais pour l'instant, on va se concentrer sur les fondamentaux. On aura l'occasion de jouer à cache-cache avec lui plus tard. Le vif d'or est particulièrement difficile à suivre, alors ne perds pas ta concentration. Facile de suivre le vif d'or, mais ces anneaux dorés te permettront de voler plus vite et plus longtemps.
attrapeurs doivent être rapides et agiles et maîtriser les virages serrés à tout moment. Le dérapage est un excellent moyen. Cette fois, tu vas devoir trouver le vif d'or par toi-même. Et vite ! Il n'y aura pas que toi qui le chercheras lors d'un vrai match. Essaye de repérer un éclat doré et d'entendre le bruit de ses ailes. Mon Dieu, mais... Tu y es presque. Suis le vif d'or de près et ne le perds pas de vue. Attrape-le dès que tu peux. Voilà. Très bien. Cette... Nous sommes les de retour pour une nouvelle et exaltante partie de Quidditch. Impossible de rester immobile. Let's go! Pouvoir les lâcher! Il tire! Ah non, je l'avais, hein! Weasley sauve les buts! Ça, c'est une belle passe! Le tir est aligné! Le soifle change de camp. Certains n'ont pas le temps de rigoler. Oui, continue à le déplacer sur le terrain. Ça, c'est une belle passe. Et le tir est parti. C'est ce qui s'appelle garder les buts. Le tir part dans le fil. Le cognard lui a arraché le soifle des mains. Soif les passer. Personne ne peut voler le soif à cette équipe. Ne quitte pas des yeux, les attrapeurs. Il a le... Ça rentre. Le vif d'or est repéré. Je vais pas faire, hein.
souffle. Je lui passe. C'est une passe à un coéquipier. Le souffle file droit vers les buts. Quel arrêt! Telle une araignée, Ron a attrapé le souffle dans sa toile. Le batteur a éjecté son adversaire. Il a volé le souffle. Jolie passe. Il va tirer. Et il marque. À la moitié. L'autre équipe va-t-elle changer la donne? Visiblement, tout le monde ne cherche pas à se faire des amis. La bataille pour le vif d'or est terminée, mais la guerre continue. Une belle occasion de tirer. Ça, c'est une belle passe. C'est une passe à un coéquipier. Le tir part. Quel arrêt! Rien ne passe avec une telle star devant les anneaux. Et le tir est parti. Bon. Rien ne traversera les anneaux de ce côté. Le souffle est en cavale. Est-ce que quelqu'un peut sortir du lot pour marquer? La gardienne bloque le but sans effort. Le but d'or est libéré. Le vif d'or vient d'apparaître. Le souffle file droit. Et le souffle met dans le mille. Face à un coéquipier. Il a volé le souffle. Il tire. Wow, impossible d'esquiver un coup de batte pareil. Le temps va manquer. C'est une passe, mais l'équipe invitée l'intercepte. Continue à faire avancer la balle. La gardienne arrête le souffle. L'équipe à domicile s'en empare. Pas de temps à perdre. Il ne reste que 30 secondes. Harry a le vif d'or. On dirait qu'il l'attire autant qu'il attire les ennuis. Oh bonjour, je vais changer de spécial d'affaire. Mais oh! Que l'un d'entre vous marque un but, ou on va s'endormir sur nos balais. Voilà une belle occasion de tirer. Elle l'a arrêté! Le match, tout comme le rêve de notre mère de nous voir travailler au ministère, et terminé. Ce match vous a été présenté par les deux beaux gosses du terrier des Weasley.
Attention à pas trébucher sur les gnomes en sortant. Du Quidditch. Cette vitesse, cet esprit d'équipe, ce danger, c'est passionnant. Une victoire éclatante. On a trouvé quelques balais qui traînaient. Tu les veux ? Déjà, il met un balai quand même. Enfin, un balai, une baguette. Comment ça se passe, hein? Ah. Oh non, dommage. En plus, je joue Hermione, le l'enflure. Quelle victoire, c'est une gros. Ouais, gros. Vraiment, vas-y. Frère, je peux plus rater les vides d'or. Avant, je l'avais tout le temps. Oh, le cognard. Mais... C'est un bot là qui est à la main, mais c'est qui?
Oh, ah, c'est trop. Ah ouais, je crois que c'était un bot. Non, non, c'est... Je crois ah non, pas Hermione. Non, pas Hermione. Oui, le batteur. C'est bon. Le batteur m'a fait gagner voilà. Le temps. Il a une patate dans sa tête, Hermione. Oh, bruh. Encore Hermione. Alors elle, focus à... en toute la game. Non, ouais, c'était pas Hermione. Allez, hop. M'en fous, je les focus tous. Oh, y'a plus d'Hermione, non. Ah non, ça se passe. C'est bon, elle est morte, Hermione. On l'attend. La balle, le bot, là. Ah, je suis deg, il va en mettre un but. Et il jaillit à travers le but. Allez, les gars. Ah, y'a un mec qui l'est passé, il m'a mis un paquet. Tiens. c'est de la bagarre, frère. Voilà les Bulgares, oh ouais. Vas-y, Soso. Ah, mais gros mot. J'ai fait une esquive, j'ai même pas eu le temps de faire la passe. T'inquiète, pas grave. Là, il faut absolument... Ah, on se prend à chaque tir, on se prend un but, ça c'est... Pas ouf, oui. Ah, il y a le Bulgare. Vas-y, c'est parfait. Déjà, son cœur, il va me coller pour me taper. Il est où, Bulgare? Il est là, c'est bon. Oh, ben on m'a cogné. Ah, mais le coup, le frère. Oh, arrêtez de me spawn pas. Oh, vous avez des rappels de fou. Le tir, non, j'ai esquivé trop tôt. Ah là, c'est de ma faute. C'est bon. Mais attends, comment ils peuvent renvoyer deux connards d'affilée? Alors là, par contre, je pouvais pas expliquer. Ah, je pouvais pas expliquer. Oh non. C'est une passe du soif. La gauche. Ah, mais ils mettent au même endroit, Peter. Ah, c'est trop de la dé. Ah non, mais c'est bon, frère. Ils en plus, ils ont pris le Vidor, gros. Il était à gauche, alors pour lui, c'est sa droite. Je suis guéguer. Ce mec, c'est lui. Ah, t'as pas son profondeur de zinzin. What? Oh non, j'ai pas réussi à l'attraper. C'est le milieu du match. Et tout carrément, je vais aller au cage avec lui, gros. Ce filou est rapide, mais il a fini What? Par se faire attraper. Oh, alors... Notre attrapeur. Ouais, notre attrapeur là, laisse tomber, hein. La poursuiveuse cafouille. Oh, vas-y, frère. On va aller dans. Mais ils ont, ils ont mis 70 buts du côté gauche. Ah, j'ai envie de vomir. Ils ont mis 70 buts, hein. Les amis. La là, tout à l'heure, on les avait chantés, les mecs aussi, comme ça. C'est toujours un plaisir de partager avec vous ma passion de Quidditch. C'était Leader Dal. Bientôt. Oh, bro. Oh, que des skins de Gadji de Dali. Oh. Oh, vas-y, j'ai même pas envie de voir mon score à la fin. Ça prend triste de perdre des mecs comme ça. Ils ont vraiment cru que j'étais un bot en fait. C'était drôle. C'était drôle. Bon, moi, c'est rapide. Mais on a vraiment pas le temps de faire les choses, hein. C'est dingue. Moi je m'attendais pas du tout à ça en fait. Genre je m'attendais à ce qu'on ait une équipe et que voilà, mais là en fait on est dans une seule, on est un personnage dans une équipe. Et je m'attendais pas du tout à ça. Je suis Toupie Trane d'Aubert.
Et j'aimerais dédier ce match à ma défunte maman, sans qui je ne serais pas dans la tribune des commentateurs. Action et grand spectacle sont au menu aujourd'hui, alors que les deux équipes se préparent à exécuter une danse complexe sur le terrain. Tombe de son balai et va s'écraser au sol. Oh, oh. Impressionnant! La gardienne fait preuve d'une belle coordination et arrête le tir. Le genre j'ai esquivé là. Qui se termine par un but spectaculaire. Ça y est, c'est terminé. La chasse au vif d'or est finie. Oh non! C'était un coup dévastateur! Le poursuiveur marque avec la précision d'une danseuse étoile. Ouh! Le match prend une tournure vraiment tragique. Moi je parle pas de ça, après le coup de C'était un coup dévastateur.
Je suis concentré là. Le poursuiveur envoie le soifle dans l'anneau et égalise. C'est un but là, putain. Commenter le match pour vous aujourd'hui. À une prochaine fois. Mouah, mouah. Au revoir. Comme je disais, faut que je m'habitue à... Et bah, tout ça parce que là, c'est pas ça. Jordan, votre commentateur de Quidditch préféré. Bienvenue sur le terrain. Préparez-vous à esquiver. Oui, continuez vers le bout du terrain. Le tir part.
Regardez les autres. Quelle belle passe! Le batteur l'a mis KO. Une passe du soif. Et le tir est parti. Mais le tir passe à côté. Le tir part. Mais non, mais oh. Mais le tir n'est pas bon. Oh, le batteur n'a fait qu'une bouchée de ce joueur. Le soif est passé. Et le tir est parti. C'est dans le nil. Regardez, c'est cool. Nous avons un joueur à terre. C'est un joueur à terre. Bel arrêt! Quelqu'un sait où passer le Divda? Ça capouille un peu! Voilà le Divda! Mais qui sera le premier à l'attraper? Le tir part! Le gardien arrête le soif. Ce but va-t-il permettre d'égaliser? La gardienne arrête le soif. C'est une passe du soif. Le tir part et il jaillit à travers le but. Et le tir est parti. Bel arrêt. C'est le milieu du match et tout peut encore arriver. Le Vif d'or a été attrapé. Pas de gardien ou quoi là? Le batteur fait tomber sa victime de son balai. Ce but va être but. Soifle est maintenant lâché. Le Vif d'or est libéré. Et le soifle est dans le mille. Nous avons un joueur à terre.
veux-tu une passe du soir? Oh, 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 tout peut arriver dans la dernière minute. Le poursuiveur marche. Oh, quelle course! Allez, let's go. Et c'est le but! Le genre, allez. Le Victor est repéré! C'est une passe du soif? Poursuiveur tire pour la victoire. Bel arrêt. Le batteur l'a mis KO. But. Qu'est-ce qu'il fait le gardien, putain? Voilà le Dilda. Mais qui sera le premier à l'attraper? À la prochaine. Parti! Bel arrêt!
le tir est parti. Et c'est raté. Je soif les passer. Le vif d'or est sur le terrain. Voilà le vif d'or. Mais qui sera le premier à l'attraper? C'est une passe à un coéquipier. Le poursuiveur fait la passe. Et le tir est parti. La gardienne arrête le soif. Le tir part. Et le tir est raté. Quelqu'un peut nous sortir d'hibernation et marquer un but? N'oubliez pas de régler vos paris et félicitations au grand gagnant du jour, moi, pour avoir décroché un rendez-vous. Cette personne se reconnaît. On va voir ce qui se passe, hein. Jordan, votre commentateur de Quidditch préféré. Bienvenue sur le terrain. Préparez-vous à esquiver. Le soif est maintenant lâché.
Ah ouais, mais dans ce jeu-là, tu peux faire tout, oui. Ça cafouille un peu. C'est un joueur à terre. Le batteur fait tomber sa victime de son balai. Le soif est passé. Ce but va-t-il permettre d'égaliser ? Sera le premier à l'attraper. Quelle belle passe! Salut! C'est un coup à briser l'égalité! Attendez, hop, je me remets dans le chat. Yo, quel ça va, je vais tanguiner un peu, je vais faire c'est, que ça c'est le but! Viroy. Oh là, Drago! Non, non, c'est pas Drago, c'est Drake! Nous avons un joueur à terre! Et il est intercepté! Bah, écoute, ça va! Le jeu, ça va en fait! Mais c'est la manip. Le oui, batteur n'a fait qu'une bouchée ouais. De ce joueur. Bah, il manque plus que le manteau long là et c'est très bien ça. Le tir va jaillir à travers le but. Bah attends, je vais remettre audio. On va baisser un peu le son. On va baisser le son. Voilà. Ah bon, putain, les mecs ils profitent pour me. Après, je viens de commencer, hein, ça fait une heure et demie que j'ai commencé. La gardienne arrête le soir. Ah là là. La poursuiveuse cafouille. Ce but va-t-il permettre d'égaliser? Je sais pas si vous m'entendez mieux. C'est dans le mille. Il est en train de faire n'importe quoi là. J'ai augmenté un peu le son. Ah bah voilà, nickel. Donc je reviens, j'ai soif. Mais nique ta mère toi, qu'est-ce que tu fais toi? Le Victor a été attrapé. Le vilain cognard, ouais. Voilà. Ah puis quand Putain vous êtes 3 les gars, sérieux on est à 3 dessus. C'est quoi ça? C'est une
passe à un coéquipier. Et c'est une interception. Ça, deux dessus, ils sont deux côte à côte et ils font rien, quoi. Et le but. Ah là. La batteuse fait tomber sa victime de son balai. Là, là, merci. La cible du batteur est KO pour de bon. Plus qu'une minute pour gagner non. Des points. Quel con. Et le type plus important. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Oh, la face. Là, oui, là. Continuez vers le bout du terrain. Allez, 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 allez. On peut le faire. Là, là. Je veux pas faire ça, les gars. Je suis là. C'est un joueur à terre. Putain. Le but. Ah voilà. Giroy, je crois que c'est la première fois que tu viens. À la prochaine. J'attends un grand fair play de votre part. Ah, ça c'est Madame Bibine. Non, Madame. Ah, c'est qui déjà? Oui, Madame Bibine. Pourtant, on se connaît depuis si longtemps, D-Roy. Ah bah oui, t'es... Bah attends. Je suis dans l'ombre, pourtant on se connaît depuis si longtemps. Oui, bien sûr. Mais bon, si t'es là une fois tous les 3 ans... Après, si c'est peut-être Orion. Si je me rappelle bien, c'est peut-être Orion. D-Roy, ça me dit quelque chose. Alors, point de compétence. Hop. Gardien, ouais, gardien va augmenter. Est-ce que là, ça va plus là hein. Éclair de feu, on va l'augmenter aussi. Boum. Waouh! Non, non, c'est autre chose, on était au collège et lycée ensemble. Bah, D-Roy. Bah, t'as. C'est un mandat. Mais quel con! T'as un mandat. C'est un mandat. Non? D-Roy, ça me dit quelque chose. Dis-le au pire, dis-moi. MDR, mais non, tu trouveras pas. Mais vas-y, dis-moi, allez. D-Roy. Je suis Aurel. Toi, t'as excellé. Ah, waouh. Ah oui, putain. Aurélien. Mais oui, carrément, carrément. Aurélien, écoute, c'est ça. Voilà. Bienvenue à Durmstrang. La... Sirène, la mémoire Alex. La mémoire Alex, la mémoire. Putain, c'est ça. Ah bah ouais, c'est bon. Les gardiens prennent place alors que le sifflet retentit. Oui, bon, oui, bon, on est au oui, collège et lycée, ouais.
Bah qu'est-ce que tu deviens? Ça fait longtemps. Comme ça fait longtemps. Oh là là, putain. Mais c'est galère à choper le soif là. Le soif est rentré. 10 points. Sur le coup de Giroy, je croyais que c'était carrément Dimitri Rosing, tu vois. Son équipe va sentir passer cette perte. Hop, let's go. Bam! Ça s'appelle ton nom de lui qui vient nous faire sortir ici, MDR. Ah bah hein. C'est pour ça que je dis ça. Après, t'as dû le voir par rapport à mon Facebook. J'ai mis une publication Facebook il y a 2-3 jours. Après, c'est peut-être pas à pur hasard. Vous êtes venu sur mon live. Allez, 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 allez. Actuellement pas grand chose, gros souci de santé avec un accident à la con. Un arrêt dès que possible, on retrouve la santé en sécurité et ouf tout de la vie. Bah je suis agent de sécurité moi maintenant. Ça va faire 10 ans. Allez. Allez. Ah, ce oh non. Ne passera pas. Oh putain. Ce soif ne passera pas. Moi je t'avouerai que maintenant parce que je l'ai pas fait j'en ai pas fait beaucoup. Je l'ai fait quand j'étais dans la marine nationale, mais après j'ai arrêté. Ouais, j'ai vu il y a quelques mois que tu faisais du gaming, du coup je passe des fois. Putain que ça a bien tourné pour y être depuis si longtemps dans ce domaine. Ouais, carrément. Ouais, bah. Vainqueur dans la course au vif d'or. J'ai commencé. J'ai commencé en 2016. Ouais, c'est vraiment éclaté. Oui, les gens sont si cons. Ah ouais, non, mais. Déjà moi dans la marine je suis tombé, j'avais 20 ans, je suis tombé sur des gamins de 18 ans, ils ont foutu la merde et tout. Et niveau mentalité c'est pas la même, c'est pas la même, c'est plus dans la frange camaraderie, j'ai du genre tu vois. Donc je suis parti en sécurité et en 2016 j'ai fait ma formation. Et en août 2016 j'ai fait ma formation et en décembre 2016... Je suis parti à Paris direct, j'ai fait le PSG direct. Son équipe va sentir passer cette perte. J'avais dit à mon père, je lui dis ouais, j'ai fait ma formation, en fait tu fais agent de sécurité et sécurité incendie, là, ce que tu vois en polo rouge.
Et je me suis dit, ouais, je vais rester deux semaines sans rien faire et tout. Et sur le coup, j'avais envoyé un CV comme ça et on m'a appelé. On me dit, ça te dit d'aller au Parc des Princes et tout. Je dis, allez, vas-y, pas de soucis. Et donc j'ai fait Paris, Lille, Lens, Paris. J'ai fait beaucoup faire et tout. Et je me suis fixé un peu chez Biro. Maintenant je suis chez Biro depuis 2019. Je faisais encore des extras mais je suis toujours dans le coin. Oh, j'habite Calais maintenant. Ce soir, je ne passera pas. Je suis sur Calais. Mais j'ai envie de repartir à Marc. Ouais, Biro, ça a l'air mieux. Ouais, déjà ils payent. Ils font des... En fait, c'est des CDD. Mais t'es payé les heures que tu fais, quoi. Si tu fais 180 heures, t'es payé les 180 heures, quoi. T'es à 180 heures en CDD, maintenant, t'es à 2000 balles, hein. Mais faut faire des heures, quoi. Rien n'a pu arrêter le soir. Il est rentré. Le Victor a été attrapé. Bon, allez, hop, ça c'est fait. Match est terminé. Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont rejoints à Durmstrang aujourd'hui. Merci, merci. Même ceux qui ont... Mais j'ai dû repartir chez papa, maman, pas le choix. Dans je les sais que les joueurs apprécient votre soutien. Ah, moi, je suis parti sur 19. Je suis resté seul pendant 5 ans et là j'ai une maison avec ma meuf et tout. Et je vais prendre un chien pour faire mes recherches. Bon, ça fait une heure et... Ouais, ça va faire bientôt 2 heures que je suis dessus. Je vais revenir au salon. Hop. Je vais changer de jeu. Reste là, Aurélie. On dirait que le Quidditch est fait pour toi. Mais c'est comme pour tout. Plus on s'entraîne, plus on se perfectionne. Vrai, et plus on acquiert de compétences. Dans le sens que les deux soudeurs qui font entraînant comme métier, maître chien. Très très bon choix. Si j'avais encore mon... Chez moi, j'aurais fait ça. Ah, ouais. Alors je sais pas quoi je vais jouer. Je suis encore là, hein. Tu peux encore me parler, hein. T'inquiète pas. Hein. On va faire 40 000, non. Et t'habitais où avant de repartir chez tes parents? Bonne, c'est bien nul. Ah, tu m'étonnes. Attends, je remets un jeu, je suis là dans 30 secondes.